Hey, bonjour les amis, bienvenue. Deuxième partie de notre assemblage du Pixie. Alors, on était rendu à installer des inductances. Alors, si on regarde sur le plan ici, vous avez acheté exactement le même kit en suivant les liens dans la description. Et dans la description aussi, vous allez avoir des liens qui vont vous mener vers le multimètre que j'utilise. Mon multimètre préféré, j'en ai acheté un en voyage un jour, puis j'ai été séduit par la robustesse et la clarté et la précision de cet appareil. Donc, un petit rappel, le Pixie est un émetteur-récepteur radio. Pour l'utiliser, pour émettre, il faut avoir une licence de radioamateur. On peut quand même l'utiliser pour écouter ce qui se passe sur les ondes. Et deuxièmement, le Pixie va nous donner des informations en code Morse. Donc, on reçoit du code Morse. Ça va biper ici dans le petit buzzer. Et si on ne sait pas le code Morse, on ne connaît pas l'alphabet en code Morse, on peut utiliser ce genre de gadget qui va nous permettre de cheater, de tricher et de transformer le code Morse directement en lettres d'alphabet. Et aussi, à remarquer qu'on pourrait utiliser un Pixie avec un Arduino pour envoyer des signaux en Morse, mais en trichant, en utilisant un Arduino qui transformerait ce qu'on écrit sur le clavier en code Morse. Donc, à quoi va nous servir le Pixie? Bien sûr, à se pratiquer, à faire de la soudure, à faire un montage, à envoyer quelques signaux radio. Et si on peut avoir deux Pixies qui fonctionnent, on va pouvoir faire des tests de portée de radio. Et ça peut être même une radio de survie si un jour il y a des satellites qui ont des problèmes ou votre téléphonie cellulaire cesse de fonctionner ou vivez peut-être dans un endroit où la téléphonie cellulaire est moins accessible. Et vous aimeriez avoir un appareil qui vous permet de transporter un signal radio, transmettre et recevoir de l'information de manière gratuite et efficace, ben, ça peut être un Pixie. Donc, on a ici des composantes qu'on voit plus rarement dans mes vidéos. Il s'agit des inductances. Inductance, en principe, ça devrait être une bobine. Si on regarde sur le plan ici, là, la bobine, on a L3, L1 et il y en a une autre, L2 est ici. Et comment on fait pour les mesurer? Ben, on a mesuré une résistance tout à l'heure. On avait atteint le 33, je pense, et la 33 000 Hz, c'était R2. Alors, je vais commencer par poser l'autre que j'étais en train de faire. R2 qui est juste ici en haut. Et ils nous ont même mis un petit symbole pour dire où va être assis le corps de la résistance, c'est-à-dire dans le petit rond. C'est un design moins répandu dans les kits que j'achète ou qui vont mettre un petit rond pour nous dire là où le corps de la résistance va être situé. Donc, je fais comme d'habitude, je crochets une patte en arrière, je laisse celle-là bien droite, mets ça à l'envers et on va souder. Alors, ce qu'on va faire, on va se débarrasser de toutes les résistances en premier, on va finir ça. Et quand les résistances vont être faites, là, on va aller faire nos trois inductances et ça va être à peu près tout pour aujourd'hui, je pense, parce que je n'ai pas les autres choses, je n'ai pas le connecteur d'antenne. Ben, enfin, ils ont mis un connecteur pour antenne, mais ce n'est pas extraordinaire, c'est le J2. J2 sur le plan, et J2 ne m'a pas du tout séduit. Je n'ai pas été impressionné par ce qu'ils ont mis comme connecteur d'antenne. Regardez, le connecteur d'antenne, ça va être lui, là. Pas super chic. OK, la résistance, voici comment on l'a installée. On va mesurer maintenant une autre résistance tout à fait banale, comme on est facile à trouver. Donc, si ce n'est pas la bonne ou il y a une erreur, on va être capable d'aller dans nos boîtes pour en trouver d'autres. OK, là, ça nous indique 4, 6, 7, donc c'est même pas 1000, c'est 468. Et si on regarde ici sur le plan, on a 470, qui est la R4. Alors, la résistance 4, R4, qui va aller juste ici. Alors, encore une fois, je mets le corps de la résistance à la verticale, je crochets juste une patte, R4. Qui va aller là, comme ça. Mets une patte croche en dessous. Posez-la dans la pince solide. Et on fait notre résistance suivante. On est sur le fil d'arrivée. C'est ce qui est le plus long, poser les résistances. Et j'imagine que si vous savez le code couleur de résistance par cœur, vous n'avez même pas besoin d'un miteur. Vous pouvez simplement en prendre une, lire les couleurs dessus, et ça doit être même plus rapide que les tester.
quand on a l'œil. OK. Tiens. Faites la coupe de cheveux maintenant, la résistance suivante. J'en prends une au hasard ici. Je vais regarder avec mon multimètre. Tiens, c'est celle-là qui s'est jetée. Elle s'est jetée sur moi. Et notre résistance ici va indiquer 4. Oh, c'est pas beaucoup. 10. 10.3, 10.4, 10.4, 11. Et c'est la R7 sur le plan. Alors, R7 dit 10. Et là, je présume encore qu'on va lui donner la forme compactée. Compactie, R7, 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 voilà, R7 va là. C'est de même. R7, juste ici, comme cela. On va se crochir une patte. Mais non, pas notre patte à nous, la patte de la résistance. Voilà, R7. Et fer à souder. Alors, c'est parti. R7 réglé. Coupe de cheveux. Voilà. OK, OK. Résistance suivante. Il en reste 3. Notre première résistance nous donne une mesure de 1,007 K, c'est-à-dire 1007. Et sur le plan ici, 1007, ça veut dire R3, qui est de 1K. Qu'allons-y pour la R3. Résistance 3, qui est... Non, pas là. Résistance 3. Comme ça, celle-là ici. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a Y1. Il y a quoi dans Y1? Vous voyez, c'est étrange, il y a Y1 ici, mais God knows qu'est-ce qui se branche dans Y1. J'ai pas l'impression qu'il n'y a rien qui va être dans Y1. Y1, crystal. OK, whatever. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Is la vie. Is la vie, my kiki. Tiens, on met ça au milieu, au centre. On fait la soudure. Bingo! C'est du tout cuit. À propos, demain. Ah, c'est bien ce que je pensais. Demain, jour 9. Tiens, voilà. Allez mesurer encore la résistance suivante. Il nous en reste 2. Oups. OK. Il nous reste 2 résistances. Commencez par elle. On est à 10K. 10.11K. On est proche de 10K. On est proche de 10 000. Et la résistance de 10 000, c'est la R5. Alors, allons-y rondement pour la R5. R5, là. Donc, pour utiliser le Pixie, ça va prendre un bouton qu'on va appuyer dessus pour envoyer des signaux en morse. On appelle la clé. Voilà. R5 posé et je vois qu'il nous reste 2 résistances même. Coupe de cheveux. OK, allons-y, résistance suivante. Cette fois, on est avec la 46.8K, donc 46 800, et sur le plan, on a une 47 à la R1. Ça dit que la R1, c'est une 47. Alors, allons voir pour R1. Résistance 1.
qui est ici, à côté du cristal. Donc voilà la R1 qui est juste là. Pas de crochet en arrière. Et on va faire notre soudure. Tadam! C'est fait. Péon. Et finalement, la dernière résistance, c'est la dernière et non la moindre qu'on mesure ici. Et on tombe à 99K, 99 000. Et sur le plan, on a la 10 000 à R5. R5, 10 000. R6 qui est 100 000. Oui. R6 qui était 100 000. On est à 98 000, ça veut dire presque 100 000, c'est ça. C'est R6. R6 qui va être juste ici, qui va être là, comme ça, juste là. Et on regarde le plan. R6, 100 000, parfait, c'est là. On plie en arrière. Il va nous rester nos trois inductances. En temps normal, notre fidèle multimètre ici devrait être capable de nous donner la mesure des trois inductances. On va les mesurer de la même façon. On a mesuré les résistances avec une électrode de chaque côté. C'est une composante qui est non polarisée aussi. Fait intéressant à remarquer. OK. Bien. Alors, on voit ici notre montage. Notre montage où il manque trois composantes. Commençons par la première. Alors, c'est une grande première parce que nulle part ailleurs sur la chaîne, j'ai fait... Je pense que les piles de mon multimètre commencent à faiblir. OK, alors on va aller se placer ici sur... Quel va être notre setting? Si je regarde le plan ici, là, c'est la mesure, c'est en ultra-hertz. Et si je regarde ici, j'ai la fonction hertz. Et je vais prendre mes électrodes et tester, voir si je suis à la bonne place. J'ai absolument aucune lecture sur hertz. Si je mets sur hertz FE, là, j'ai une mesure négative là. Et là, j'ai une mesure positive là. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je mets sur ohms, j'ai une mesure de 0,6, 0,7 ohms. On a une 22, une 1 et une 100. 22, 1 et 100. Est-ce qu'on peut essayer d'autres choses? Capacitance, non. Hertz, non. Si on met, mettons, Hertz ici. Est-ce qu'il va nous donner une lecture? Aucune. Est-ce que c'est mesure capacitance? Non. On a rencontré un obstacle maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout simplement sur Google. On va s'ouvrir une nouvelle page sur Google. Et je pensais être bon pour le mesurer immédiatement avec mon multimètre, mais ça a l'air canon. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de trichage, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de montage. C'est exactement ce qui se passe
quand une personne ordinaire. OK, alors voici la fenêtre, la dite fenêtre. Je vais enlever mes favoris pour me donner un peu d'espace. On va voir si tout est là. OK, j'ai ma fenêtre ici. Bon. Alors, on va faire la recherche pour aller voir notre inductance, fixed inductance. Et je vais écrire fixed inductance 22UH. Fixed inductance 22UH. Et alors, si on a de la chance, on va pouvoir 22UH. On va pouvoir avoir notre code couleur qui devrait nous indiquer 22UH. Select your location. OK, on a ici Mouser, inductance 22UH. Et si je clique, ah, ben c'est donc bien le fun. Il nous donne une image, mais on n'a pas les couleurs. Hey, je veux voir les couleurs. Ah! Ils sont même pas gentils. Ils nous ont donné l'image, mais il n'y a pas de couleurs. On veut lire les bandes de couleurs, mais on n'a pas les couleurs. OK. Alors, on va laisser reculer sur notre Google ici et voyons voir si l'image va nous donner. Ah ah! 22UH. Possède une bande de couleur rouge ici. On a 22UH avec une bande de couleur rouge et une bande noire et une bande chrome. Alors, si je me fie à ce que je vois ici, j'ai deux bandes rouges et une bande noire et une bande dorée. Donc, celle-là, ça serait la 22UH. On a deux bandes de couleurs d'à peu près la même couleur. Color code, hein, 22UH. On a une autre photo ici. On a deux bandes rouges, une bande noire puis une bande grise. Donc, si je regarde ici encore ma première image, on aurait deux bandes rouges, une bande noire et oh, parfait. Regardez-moi ça. Deux bandes rouges, une bande noire, une bande chromée. Donc, ce serait elle, la 22UH. Hein? On a bien compris. Ce serait bien elle. Et où est-ce qu'elle va dans le plan? La 22UH, c'est la L1. Et si on se fie à notre graphique ici, la L1 va être là en haut. Alors, je vais plier ça comme ça. Mettre le corps sur le bon sens. Voilà. Alors, la inductance avec la bande rouge, rouge, noir, qui va aller ici en haut, qui est de la 22 ultra hertz. Donc, vu qu'elle veut se sauver de son destin, je vous replace ça comme il faut. Ensuite, je vais plier à l'arrière comme ça, solide. Et je vois que le métal est plus épais que les résistances habituelles. Il va falloir faire attention en faisant la coupe de cheveux pour que le petit morceau arrive dans l'œil. OK, parfait. Alors, je redresse mon autre patte ici. Et je vais lui faire sa soudure. OK, parfait. Maintenant, coupe de cheveux, en étant très prudent pour l'avoir dans le petit œil. Voilà. C'est fait. On a reposé notre première inductance juste ici en haut. Maintenant, on va aller chercher pour l'autre. L'autre, c'est une 1UH. OK, maintenant, je retourne sur le même site. On va aller chercher 1UH. Alors, je vais taper 1UH. Inductor. Et là, si j'ai de la chance, 10UH, 1UH inductor. OK, voyons quelles sont les bandes de couleurs sur la 1UH. Alors, la 1UH, vous allez avoir une bande dorée dessus.
Je pense bien que c'est elle que je tiens dans mes mains. On a rouge, noir, doré et argent. Alors, c'est drette elle que je tiens dans les mains. C'est rouge, noir, doré et argent. C'est en plein, celle-là. On fait un petit zoom. Alors, de gauche à droite, on a rouge, noir, doré, argent. Et celle-là, ça va être la L2 qui va aller juste ici, comme ça. Voilà, mais voilà la L2 qui va ici. Elle a l'air à se tenir en place. Je vais tenir ça dans mon montage, comme ça. Comme ça. Like that. Demain, on est jour 9. Je regardais mon horaire. Bien. Merci. Je peux avoir du fil, mon fer à souder. Merci. Tiens, réglé. Et la troisième, on va tout simplement aller la poser parce que je présume que c'est la bonne. Et de toute façon, si ce n'était pas la bonne, j'en aurais pas d'autre. J'aurais pas le choix de mettre elle. Je n'ai pas de kit. Je vais ramener mon pied de micro à la maison. Il y a un problème avec mon pied de micro. Je n'ai pas de kit d'inductance de spare. Donc, je n'ai pas le choix. C'est elle qui va aller là. Et on l'appuie comme ceci. Ça va être L3. Donc, vous pourrez m'accuser de paresse intellectuelle. Je n'ai pas été voir. Et c'est vraiment la dernière composante qu'on pose. Le fil ici va servir à amener du courant à l'appareil. Et le fil ici va se servir à connecter à une antenne. Donc, dernière soudure, on arrive ici dans le fond, tic, on en plie une, et la dernière soudure, alors je vais vérifier, vous avez peut-être entendu un bruit, c'était le bruit de quand j'ai un courriel qui arrive, alors je vais vous enlever ça ici, là, tic, et je m'en vais dans mon courriel pour aller voir quel était ce bip, parce qu'on entend des messages. Voilà, alors je vais faire un petit ménage de mes inductances. Alors, pour aller vérifier, la L3, c'était 100 ultrahertz. Alors, je vais aller voir 100 ultrahertz inductor. Inductor, alors la 100 ultrahertz devrait avoir rouge, noir, noir, doré. Rouge, noir, noir, doré, c'est celle-là qui est ici. Et à la place, j'ai brun, noir, brun. Bon. Eh bien, mes chers amis, ça commence par une rouge, c'est sûr. Rouge, noir, brun. Mais c'est pas grave. On va poser celle-là parce que, comme je vous ai dit, j'en ai pas d'autres. Je regarde mes autres inductances, là. C'est sûr, je ne me suis pas trompé. Peut-être qu'ils se sont trompés quand ils l'ont envoyé, mais bref. Il va falloir faire avec. Alors, s'il y a un problème avec l'émetteur, bien, on avait déjà détecté qu'il y a une inductance qui ne semblait pas être la bonne. OK. Alors, c'était ça la question. Est-ce qu'on était capable de mesurer nos inductances avec notre appareil ici? Remarquez que ce n'était pas impossible, mais peut-être que je ne savais pas. Je n'avais tout simplement pas les bonnes instructions. Je n'avais jamais eu à mesurer. Fixed inductance. On va regarder sur Google un petit peu. Là. C'était une 100 ultrahertz. 100 ultrahertz. Si je fais une recherche, quelle couleur va me donner? Ah, je pense que j'avais la bonne couleur. 100 ultrahertz. Je clique sur ma photo ici. Et ouais, c'est possible que j'avais la couleur, mais même là, ils ne sont pas. Tiens, c'est un ultrahertz. J'en ai une autre photo là qui me dit que c'est brun, brun, noir. Et ouais. Bon, on va dire que ça va être ça pour le montage. Et on a terminé notre montage. Peut-être un petit nettoyage ici. OK, alors, révision des soudures. Tout ça, c'est
digne de mention. Il y en a une ici qui en manquerait un petit peu. Alors, je vais vous faire un petit zoom. Dans la vie, parfois, il faut faire un zoom. On va aller voir ici. Ça fermé, ça fermé, ça fermé. Ça s'est fermé, ça s'est fermé. Bien. Alors, les amis, c'est le moment de la fin du vidéo. Fin de la deuxième partie. Alors, la première partie, ça a pris une heure. Ensuite, j'ai pris une petite pause. Et là, je vous reviens pour faire examiner les soudures. Il y a une inductance que ce n'était pas la bonne. Clairement, qui ne semblait pas avoir les bonnes lignes de couleur que j'aurais voulu voir dessus. On nous a laissé trois petits capacitors céramiques de plus qui vont aller rejoindre la pochette initiale. OK. Et ensuite, faire le petit ménage. Et on nous a laissé ces fils-là pour se connecter source power. Donc, avant de partir, avant de vous laisser pour cette deuxième partie, je vais tout reviser les soudures une par une visuellement. Ouais, mais il n'y avait vraiment rien de parfait là-dessus. Ici, il y a un trou qui est vide. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une bonne question. Sur le montage, on pourra aller voir sur la photo si le trou est vide sur la photo aussi. OK, tout a l'air pas trop mal. Et voilà le résultat final. Notre émetteur Pixie. Il reste un trou ici pour Y1. Et on va devoir faire nos petites recherches pour savoir si on peut redresser nos composantes. Ça a l'air trop moche. OK, bon, ça a l'air pas si mal comme ça. Tiens, nos diodes sont placés au bon endroit, de la bonne façon. Et je vous fais un petit zoom. Et voici l'appareil. Donc, si on regarde de ce côté-là, ça va être lequel? Il y en a un qui va être key, puis l'autre, ça va être prise de casse d'écoute. On n'a pas besoin, on a déjà un buzzer ici. Buzzer intégré. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin avant de fermer notre fer à souder? On fait la classique éponge. On appuie sur Power ici et c'est terminé. Et nos petites washers ici vont servir à faire comme ceci. Just like that. Si on avait un petit boîtier, ben, c'est ça qui serait vissé dans les trous du boîtier. Avec une imprimante 3D, bien sûr, on peut faire un boîtier pour l'émetteur Pixie. Et voici le résultat final lorsque les soudures sont terminées. Avant de vous laisser, je vais aller chercher, voir sur Google rapidement si je suis capable de trouver pourquoi il reste un trou où il n'y a rien dedans. On fait un petit ménage, alors... Ça va aller là, ça va aller là. On va remettre toutes nos pièces parce que le prochain vidéo va être le test du Pixie. Donc, on en a assez fait pour aujourd'hui. Alors ça, je vais vous placer ça comme ça. Voilà, 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 voilà. Là, je dois me racheter des poubelles. Je manque de poubelles ici, des plats pour mettre des crayons. OK. Alors, on va remballer notre petit... notre plan avec la liste. On va mettre ça ici. Donc, en résumé, et je vous replace la caméra sur le bon sens, avant de vous laisser, je vais vous donner un petit look, un petit aperçu de notre local pour les amis, bien sûr, les amis. Pour toutes les personnes qui regardent la chaîne, que je vous organise quelque chose, on est-tu la tête en bas, là? Comme cela. OK, just like that. Regardez-moi la vue magnifique. Vue magnifique sur la classe. Comment est-ce que je l'avais placé? Comme ça. Et voilà.
Bien. Alors, on a terminé le montage de notre Pixie, qui a pris quand même une heure et une bonne heure et demie solide, hein, le temps d'aller chercher de l'information puis de s'assurer qu'on avait mis les bonnes choses à bonne place. J'espère que vous avez capté à temps que je n'avais pas mis le bon capaciteur au bon endroit au début. C'est de ma faute. Et on va se reprendre dans le prochain vidéo. Dans le prochain vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va connecter du courant sur le Pixie, on va connecter une antenne, on va fabriquer une clé et on va tenter d'émettre et on va vérifier à l'aide du ATS-20+, s'il y a vraiment un signal qui sort de notre appareil radio ici. Et ensuite, on pourra faire un test de distance. Donc, on va vérifier le range du radio et bien sûr, essayer de capter un signal sur le radio. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez. Moi, j'ai pas d'implication financière dans cette chaîne YouTube. Je fais ça strictement pour le plaisir et le loisir de faire de l'électronique avec vous. Et donc, c'est ça. À la prochaine vidéo. À bientôt.